Bonjour mes bagantés francologues d'amour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la recette du riz villageois. Pour ça, nous avons besoin du riz. J'ai pris une petite quantité pour vous faire cette recette. De moonga, du piment, oignon, écrevisse, crevette et huile rouge. C'est tout. Avec huile, sel, au choix. Il y a certaines, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous ajoutez... l'ail, le ginger, mais le riz villageois se fait simplement comme ça, mbunga. Avant, on le mettait même pas, avant, on mettait juste les crevettes. Moi, pour relever, rehausser mon goût, j'ajoute mon mbunga. Piment, oignon, c'est tout. On n'ajoute pas autre chose, pas de tomates. Donc, comme je vous disais, il y a certaines qui ajoutent l'ail et le ginger. Oui, surtout l'ail même. Le ginger est facultatif, mais il y a certaines qui ajoutent l'ail. Mais moi, je le fais. Ainsi, simplement comme bonjour. Valentin Francologue, j'ai déjà apprêté nos condiments. Mbunga, oignon, piment, crevette que j'ai passé un peu à la pierre. Et je vous prends au feu du bois, imaginez-vous, mais voilà l'huile. J'ai mis l'huile au feu, on va laisser un peu l'huile chauffer. Question que l'huile chauffe un peu. Vous avez dit que j'aime trop le regarder, pas mais beaucoup le goût aussi. Le vrai goût, au feu du bois avec la fumée. Vous savez que la fumée arrange aussi la nourriture, non? J'espère que vous connaissez ça. Les oignons sont après, j'ajoute mes crevettes avec mon piment. Ça va être bien pimenté. Je veux bien faire ce que mon riz dans lui. Que la fumée la tape, ça bien. J'ajoute le sel et le cube. Vous avez vu comment est bien fait frit dans l'huile, non? Sel, cube. Le sel est facultatif, le cube est facultatif. Facultatif autant pour vous. Vous avez fait n'est pas mis l'huile. Regardez comme ça ne ferme pas bien. Ça ne grille pas bien mon riz. J'ajoute mon eau. Le riz est assez grillé. C'est bien pimenté comme je. Ça fait bien mon pied. Merci. Le soleil là. Je fais ça pour rappeler. Voilà. Comme ça avait un peu. Je n'ai même pas bien mis lui comme d'habitude. Mes amours, c'est même pas si avant le soleil, vous voyez bien. Regardez vous-même, j'ajoute encore un peu d'eau. Parce que je n'aime pas le riz qui est mort. Juste un peu. Une villageoise qui prépare un riz villageois. Oh là là! La mamie, à tout à l'heure pour la dégustation. Mes belles, voici le riz villageois. Voilà le riz villageois. Simple comme bonjour. Ça ne dure pas au feu. Le piment que j'ai mis à l'intérieur là. Ha. Voilà le riz villageois. Comment j'utilise pas de Snapchat? Vous allez alors dire quoi? Je ne vois pas les présentations, tu vois là.
Voilà le rire de la joie. Mais Baganté Francolo, voilà le riz villageois. Voilà le riz villageois. Le piment qui a, c'est ça. Vous avez vu. Voilà le riz villageois. Vous parlez sur que fait ma vidéo. Fermez vos bouches, je fais ma vidéo. Vous avez vu. L'oignon que j'ai coupé en deux là, vous voyez. Le goût of ça, oh. Mais Baganté Franco, simple comme bonjour, et c'est bon. La tenue de lui, le riz, c'est lui rouge là.